Dominus vobiscum. Sequentia sancti evangelii secundum Johannem. En ce temps-là, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Le vin des noces venant à manquer, la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit : Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur : Quoi qu'ils vous disent, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit aux serviteurs : Remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Et il leur dit : Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin et il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Il appelle donc l'époux et lui dit : Tout le monde sert en premier le bon vin, puis quand on est enivré, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le premier signe que Jésus accomplit, c'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête promettait d'être belle dans ce petit village de Cana. Et on avait même invité quelqu'un de fort sympathique, le fils du charpentier de Nazareth, avec sa mère et ses disciples. Mais voici que les serviteurs de la noce et la Vierge Marie se rendent compte qu'un imprévu risque de ternir cette joie des noces. Un peu trop tôt. Voici que les réserves de vin s'épuisent bien rapidement. Alors ce jour-là, Marie a un rôle tout particulier. Et c'est par elle, par son intercession, que Jésus va commencer à manifester sa gloire et que ses disciples vont croire en lui. Alors cela doit nous inviter à compter sur le secours de Notre-Dame avec une confiance sans faille, car Marie est médiatrice de la grâce divine. Elle est le canal de la grâce. Elle ne la crée pas, elle ne crée pas la grâce, mais Dieu la choisit tout spécialement pour répandre sa grâce à travers elle. Alors la médiation de Marie est à double sens. Elle est descendante et ascendante. Voilà, elle vient de Dieu, puis elle vient jusqu'à nous par Marie, mais elle est aussi ascendante. Marie qui porte aussi toutes nos prières au Seigneur. Alors elle vient de Dieu pour aller jusqu'aux hommes. Et c'est notamment le fiat de Marie à l'Annonciation. Que tout se passe pour moi selon ta parole. C'est aussi cette invitation qu'elle adresse à Cana, aux serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie coopère à la volonté de Dieu. Alors, l'unique médiateur de notre salut, pour notre salut, c'est le Christ, car il est à la fois Dieu et homme, et il n'y en a pas d'autre.
Mais chacun de nous devons coopérer à sa grâce. Et Notre-Dame coopère plus que quiconque. Elle a une place de choix. Elle a une place de choix parce que Dieu a attendu son fiat pour s'incarner. Elle a attendu sa libre réponse, son adhésion à la volonté de Dieu. Et la médiation de Marie est aussi ascendante. Ils n'ont plus de vin. Marie présente la situation à Jésus telle qu'elle est. Elle ne lui dit pas comment la résoudre. Elle porte simplement la détresse des hommes à son fils. Oui, elle agit envers nous comme une maman. Et elle nous a été donnée pour mère au pied de la croix. En souffrant avec son fils unique, avec son fils qui mourait sur la croix, elle apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument unique. Par son obéissance, par sa foi, par son espérance, par son ardente charité, afin que nos âmes puissent recevoir la vie surnaturelle. Et c'est pourquoi elle devient, dans l'ordre de la grâce, elle devient notre mère. Et depuis lors, nous sommes ses enfants bien-aimés. Elle nous chérit comme une maman chérit ses enfants. Aussi, n'ayons pas peur de lui demander beaucoup, de lui demander des choses vraiment importantes pour nous. Alors si vous êtes allé à Lourdes, ou à Notre-Dame-des-Victoires à Paris, ou dans tant d'autres sanctuaires mariaux, eh bien vous avez peut-être été frappé par le nombre d'ex-voto. Et même ici, à Notre-Dame-des-Armées, on a quelques ex-voto dans le chœur, et à côté du chœur. Et beaucoup de ces ex-voto ne sont pas signés, mais portent simplement ces inscriptions, merci, ou merci Marie. Et donc, n'hésitons pas à demander beaucoup au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Et puis, remercions-la. Pourquoi ne pas offrir un ex-voto pour une grande grâce obtenue? On pourrait recouvrir le mur de la chapelle d'ex-voto. Alors, cette semaine, le 17 janvier, nous fêterons Notre-Dame de Pontmain. Voilà une autre intercession toute particulière de la Vierge Marie. Le 17 janvier 1871, la France est dans une situation catastrophique, Paris est assiégé, Le Mans est tombé, et voici que Notre-Dame apparaît au-dessus d'une maison, à Pontmain. Et les enfants qui voient l'apparition lisent au fur et à mesure les lettres qui s'affichent au-dessus de la maison, lettre après lettre. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Alors, l'inscription est soulignée par un fil d'or. Et le lendemain, les coups de canon prussiens se font encore entendre à 2 kilomètres du village, mais 3 jours plus tard, de manière assez surprenante, assez inexplicable. Les Prussiens se retirent sans prendre la ville de Laval, qui était proche, et l'armistice est signé 11 jours seulement après l'apparition, le 28 janvier. Et les soldats originaires du village reviennent sains et saufs. Oui, Notre-Dame intercède pour nous auprès de son fils. Priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Saint Bernard avait cette très belle prière d'intercession. Il disait, « Vous qui vous sentez aujourd'hui secoués au sein de l'orage et de la tempête, loin de la terre ferme, ne perdez jamais des yeux la lumière de cette étoile, si vous ne voulez pas faire naufrage. » Si pour vous le vent de la tentation vient de se lever, si le rocher de l'épreuve se dresse face à vous, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si vous êtes ballotté par les vagues de l'orgueil, de l'ambition, de la médisance ou de la jalousie, regardez l'étoile, invoquez Marie. Votre âme est-elle secouée comme une barque fragile par la colère, l'avarice ou les séductions de la chair?
Regardez Marie. Êtes-vous sur le point de sombrer dans le gouffre de la tristesse ou du désespoir? Dans le danger, pensez à Marie. Que son nom ne quitte jamais vos lèvres, ni son souvenir votre cœur. Pour obtenir l'appui de sa prière, ne perdez jamais l'exemple de sa vie. En la suivant, vous ne vous égarerez pas. En priant, vous ne risquez pas de désespérer. En pensant à elle, vous ne faites pas fausse route. Si Marie vous tient, vous ne tombez pas. Si elle vous protège, vous ne craignez rien. Sa protection vous mènera au but. Vous verrez alors combien justement il a été dit « Le nom de la Vierge était Marie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.